Ok, c'est bon. Donc on est en direct. Il faut encore attendre 30 secondes. Alors. Est-ce qu'on est en direct moi sur YouTube au moins? Pas encore. Ok, c'est bon. On va commencer sur YouTube. On va envoyer tout ça aussi, bien entendu. Ok. Et aussi, c'est bon aussi, ici, ok. Impeccable. Bonjour, bonjour tout le monde. Partager, c'est important ce que j'ai à dire. Bonsoir Nora. Partagez, même quand vous êtes sur YouTube, en fait, c'est plus facile de partager dans les groupes WhatsApp quand vous êtes sur YouTube. Donc, attendez que je partage sur ma page personnelle. Ok. Page personnelle. Voilà. Maintenant, je partage cela. Bonjour, bonjour. Attendez que je partage rapidement. Est-ce que les notifications de Facebook, en fait, ne marchent plus comme avant? Il faut partager, partager. Fait mal aux doigts, c'est pas possible. Alors qu'avant, à l'époque, tu étais seulement live. On n'a pas besoin de faire tout ça. Maintenant, c'est un peu compliqué. Ok, donc voilà comment ça se passe en fait. Voilà comment ça se passe. Il faut vraiment. On va commencer à parler des choses extrêmement importantes. On sait, bon, on a 3 minutes. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Darcio Gonzaga et je vais parler en fait d'un aspect que je ne vois pas souvent sur le toile de parler de certaines choses. On parle d'entrepreneuriat. On parle d'améliorer nos relations. Leadership, très important. Les relations, il faut avoir de l'amour dans la maison. On parle de comment investir à la diaspora, comment faire pour investir au pays, c'est vraiment important, tout cela. Mais je vais m'adresser surtout à ceux qui vivent en diaspora, et même ceux qui vivent au pays peuvent participer en fait. C'est quand tu es un entrepreneur, que tu sois un entrepreneur, que tu sois une personne qui travaille à temps plein, il faut comprendre à quel point c'est important, c'est impératif pour vous de comprendre qu'il faut investir une portion de l'argent que tu fais. L'une des raisons pour lesquelles les gens en fait se retrouvent fauchés, c'est quand tu commences à faire de l'argent, ils achètent en fait des futilités. T'as pas besoin de 10 sacs Louis Vuitton, de 5 paires de chaussures Balenciaga. Surtout les Balenciaga, pour les garçons, c'est vilain, c'est moche, ça ressemble à des bottes extraterrestres. N'achetez pas des choses juste pour acheter des choses. Parce qu'en fait, dès que tu fais de l'argent, il faut réinvestir cet argent dans le business. Pour que le business, en fait, tu puisses doubler tes revenus, tripler en fait ton nombre de clients. Et quand tu commences en fait à montrer ta richesse extérieure, c'est que tu es déjà assis en fait. Il y a certaines choses que tu dois avoir, ça doit en fait t'arranger. Bonjour Edwige, bonjour Flora, bonjour les clés, bonjour Patricia. Ça doit en fait t'aider à préparer ton avenir. Vous savez en fait, les riches, qu'est-ce qu'ils font? Les riches dépensent pas plus de 20% de ce qu'ils font. Je répète, les vrais riches ne dépensent pas plus de 20% de ce qu'ils font. Les nouveaux riches, ceux qui ont été surpris par l'argent, ils veulent à tout prix prouver qu'ils ne sont plus pauvres.
Donc, ils dépensent de l'argent, ils dépensent de l'argent, ils dépensent de l'argent, sans pour autant, en fait, prendre le temps de dire aux autres que non, écoutez, en fait, il y a d'autres façons de faire de l'argent parce que ils veulent prouver aux gens qu'ils ont percé, ils veulent prouver aux gens qu'ils sont à un autre niveau, ils veulent prouver aux gens que c'est plus la personne fauchée qu'ils ont, que telle ou telle personne a connue à l'époque, que maintenant ce sont des messieurs. Non, faut faire attention. On peut pas continuer en fait dans ce système-là. Il faudrait que tu puisses prouver à toi-même que tu es responsable. Excusez-moi, je vais partager dans mon groupe rapidement. Excusez-moi. Voilà. Et donc, à chaque fois, en fait, on dépense tout ce qu'on fait. Donc, l'argent qu'on fait, on le dépense. Et donc, indirectement, en fait, ça nous met dans des problèmes. Donc, je vais montrer, en fait, dans ce mastermind qui commence le 15 novembre. Donc, 15 novembre, c'est les inscriptions. J'ai quand même enseigné pour les inscriptions, fait un peu questions-réponses, puis commencer un peu à enseigner. Et vous montrer, en fait, comment investir votre argent automatiquement. Il y a une façon d'investir ton argent de façon automatique qui va t'aider. C'est-à-dire, en fait, ce n'est pas souvent combien on fait, mais combien tu gardes. J'ai entendu ça, en fait. Ce n'est pas combien tu fais, mais combien tu gardes. Les gens disent, oh non, mais c'est faux, j'ai pas assez d'argent, j'ai trop de factures. Non. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut apprendre ce qu'on appelle l'humilité. J'ai appris une leçon vraiment trop puissante avec mon père quand il vivait, qui était aussi un homme d'affaires. Et chaque fois, je demandais, mais papa, on a de l'argent, pourquoi on n'achète pas de Mercedes? Il dit, non, mon fils, la Mercedes, ça, c'est pas un investissement. La Mercedes, ça, c'est quand tu arrives à un certain niveau, tu t'ennuies, tu achètes une Mercedes. J'ai jamais oublié ça. Il m'a dit, ton lit ne peut pas être plus confortable que le siège de ta voiture. Ça veut dire quoi? Que chez toi, tu dois être à l'aise. Ce n'est pas tout d'avoir une grande maison. Il faut avoir des beaux meubles. Des meubles qui durent 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ça sert à rien d'avoir une maison. Tu rentres dans la maison est belle à l'extérieur. Et quand tu rentres dans la maison, c'est de la pacotille. Tu t'assieds dans le siège rentre. Les chaises au salon ont plein de taches. Les murs sont sales, mais c'est une grande maison, il y a le marbre. Mais c'est-à-dire que non, c'est que quand tu achètes cette maison-là, il fallait pouvoir l'entretenir. C'est-à-dire que quand la maison est grande, tu ne peux pas laisser les enfants se balader n'importe comment. Il doit avoir en fait une personne qui est là pour être sûr de nettoyer derrière les enfants, avant que les enfants soient assez grands pour nettoyer eux-mêmes. OK? Dans ta cuisine, si tu aimes la nourriture du village, tu dois avoir une cuisine extérieure. Tu peux pas préparer le sanglier dans ta nouvelle maison à l'intérieur. Pourquoi? Parce que le sanglier ne se cuisine pas dans une dans une cuisine intérieure. Le sanglier doit se préparer à l'extérieur. Et quand c'est fini, on amène le sanglier à table à l'intérieur. Ou bien, tu dois avoir un endroit où tu peux manger dehors. Tu comprends? Si tu as une piscine, ça s'entretient. C'est pas l'eau de la piscine est noire. Il y a les feuilles qui tombent dans la piscine. Si tu as un jardin, le jardin n'est pas entretenu parce que tu dois avoir un jardinier. C'est ça la richesse. La richesse, c'est que ce n'est pas seulement avoir la grosse maison. C'est que tu dois avoir du personnel, un système qui doit t'aider à entretenir la maison. Tu as une maison, tu ne peux pas laisser la maison dépérir comme certains bâtiments qu'on voit dans certains pays où on te dit ça, c'est quoi? Oh, ça, c'est la préfecture. Tu ne sais pas si le bâtiment est jaune, si le bâtiment est blanc, si le bâtiment est marron. Si le bâtiment est gris, tu dois deviner en fait quelle était en fait la couleur originale. Pourtant, il y a de l'argent qui arrive dans ce département-là, dans ce ministère-là. Mais il n'y avait pas un budget qui avait été pris pour l'entretien du bâtiment. Et c'est la même chose pour ton business. Et tu dois avoir assez d'argent pour entretenir le business. C'est-à-dire que tu dois entretenir le business. Donc, quand tu reçois 1 000 dollars, 1 000 euros ou 1 million de francs CFA, tu ne prends pas les 1 million de francs CFA, tu mets dans ta poche. Quand tu reçois 1 million de francs CFA, en fonction de ce que tu as, tu devrais quand même pouvoir mettre au moins 10% de côté, tu ne touches pas. Si tu reçois 3 millions, tu prends 300 000, tu ne touches pas. Tu reçois 5 millions, tu prends 10%, tu ne touches pas. C'est la loi des 70-10. 10% pour toi, 10% pour l'emergency et 10% pour Dieu. 10% pour toi, 10% pour les urgences, 10% pour Dieu. Tu vis avec 70%. Donc, ce n'est pas que tu ne peux pas aller acheter la BM, mais ce n'est pas le moment. Ce n'est pas que tu ne peux pas aller acheter un autre costume, ce n'est pas le moment.
Ce n'est pas que Dieu va aller acheter une perruque de 2 000 $. Ce n'est pas le moment. Pourquoi? Parce que ton business doit circuler et tu dois toujours faire plus que ce que tu as fait le mois d'avant. Tu dois faire plus l'année prochaine que ce que tu as fait l'année précédente. Tu dois en fait mettre sûr, non seulement maintenir le business, mais être sûr que le business en fait s'agrandit d'année en année. Mais tu ne peux pas le faire si tu n'as pas une stratégie d'investissement automatique. On ne te parle pas ici juste de l'épargne. Ça, l'épargne, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est l'investissement. Donc, ce que vous voyez là, en fait, là à côté, ici, attends, non, ici, attends, ici, c'est où? Ici, ici. Donc, ici, là, vous voyez là, ça, c'est le stock market. Donc, ici, c'est le stock market. Le stock market, en fait, c'est là où les plus grandes sociétés de France et des États-Unis sont sur un marché financier qu'on appelle dans le trading. Et là, tu peux investir sur Louis Vuitton, tu peux investir sur Fendi, tu peux investir sur Balenciaga, tu peux investir dans le champagne, tu peux investir dans du vin, tu peux investir même dans l'immobilier directement de façon digitale, qui est des fois même plus rentable que d'aller essayer de t'endetter pour acheter un immeuble. Dans ce système-là, en fait, tu peux en fait prendre 1 ou 2% des recettes des plus grandes sociétés immobilières du monde. C'est comme ça que les gens font. Je vous ai toujours montré ça plusieurs fois, je l'ai encore montré encore ici. Il y a un magazine qu'il faut que vous puissiez, vous devez acheter ce magazine-là. Ça s'appelle Forbes Magazine. Il est en français, il est en anglais. OK? Donc tous les mois, ça coûte pas cher. Il coûte combien? 10 dollars. Donc on vous dit exactement ce qui se passe. Ce qui se passe en ce moment, quels sont les nouvelles trends. Qu'est-ce qui se passe en fait dans le business? Et là, on va vous dire en fait que tous les milliardaires n'ont que 10% de leur argent en banque. Quand vous entendez Oprah à 15 milliards ou Michael Jordan à tant d'argent ou bien Jay-Z ou je sais pas quelle soit votre star, Elon Musk, 230 milliards de dollars. Les gens qui ne connaissent pas les finances pensent que Elon Musk a 230 milliards de dollars qui est là. Bon, bonsoir, Manu, qui est là dans son compte en banque, en fait. Ce n'est pas 230 milliards dans son compte, il met sa carte, il voit, Monsieur Elon Musk, vous avez 230 milliards en banque. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est que, en fait, Elon Musk, c'est en fait la valeur de sa compagnie qui est traded sur Wall Street, la valorisation de sa compagnie en fonction des parts qui lui reviennent, donc sa valeur est estimée à 230 milliards. Il n'a pas 230 milliards en banque. Ils ne mettent que 10% de leur argent dans les banques. Pourquoi? J'ai fait une recherche il y a quelques mois et le taux d'intérêt en fait que tu reçois, en fait de retour sur ton argent que tu reçois dans une banque, la meilleure banque en ce moment dans le monde entier fait une recherche, te donnera 0,4% sur ton argent par an, moins d'1%, moins de 0,5%. Le stock market que je vous ai montré en fait ici, ça a été prouvé que le stock market là, ici là, ce stock market là te donne, que le marché soit bon, que le marché soit mauvais, il te donne à peu près entre 10 et 12% de retour sur ton argent par an. Donc les gens qui ont de l'argent ne laissent pas leur argent en banque parce que l'argent meurt. Ils investissent leur argent dans le stock market. Numéro 1. Numéro 2, vous voyez derrière moi, le Bitcoin. Le Bitcoin est monté à 66 000 dollars il n'y a pas longtemps. Là, je vais vous montrer ça à combien. Le Bitcoin ne va plus jamais redescendre à zéro. C'est fini. Ils sont à 2 trillions de dollars. C'est terminé. C'est fini. N'écoutez pas les histoires, le Bitcoin, non. Si vous êtes fait rouler, vous ne savez pas quoi faire. Voilà, c'est encore monté. Je viens de faire 3,55% aujourd'hui. C'est monté à 63 000. Donc moi, je ne réfléchis pas, quoi, machin, non. Dès que j'ai plus d'argent, paf, je balance dans le Bitcoin. Bah, pourquoi? C'est mieux de mettre mon argent dans le Bitcoin que mettre mon argent en banque. Vous allez dire, mais non, mais coach, si l'argent diminue, mais c'est pour le long terme. Le Bitcoin va atteindre 200 000 dollars, peut-être avant la fin de l'année 2022. Ce que les gens ne savent pas, c'est que, je vais vous expliquer ça pourquoi. Le Bitcoin, c'est un asset, un coin qui a été créé où il n'y a que 21 millions de coins disponibles. Les gens ont déjà acheté 18 millions de bitcoins. Il reste 3 millions. Quand il y aura plus de bitcoins, le prix va monter comme pas possible. Ça a été prouvé.
dans l'histoire de l'industrie des finances. Allez-vous renseigner le asset qui a généré le plus d'argent en 10 ans depuis qu'on fait attention aux investissements? Il n'y a aucun investissement, que ce soit l'immobilier, que ce soit l'agriculture, que ce soit les œuvres d'art, que ce soit le pétrole, que ce soit le diamant, l'or, il n'y a aucun asset qui a rapporté le plus d'argent aux gens que le Bitcoin. Et dernièrement, il y a un autre coin qu'on appelle Shibu. Shibu qui est passé de 8 000 à 5 milliards de dollars en moins d'un an. C'est-à-dire que c'est une technologie. Les gens disent oui, ce n'est pas régulé, je ne suis pas sûr. Bah, on ne parle pas de ce n'est pas sûr, on te parle de ce qui marche. Les réseaux sociaux n'étaient pas régulés. Mark Zuckerberg a fait 100 milliards de dollars. Les gens pensaient que c'était une blague. Ceux qui me suivent depuis longtemps, j'avais parlé des réseaux sociaux en 2012. Faites attention, formez-vous. Les gens vont se faire beaucoup d'argent sur les réseaux sociaux. Non, ça c'est comme MySpace, c'est pour les enfants. Non, on est où aujourd'hui? Je voyage dans le monde entier à cause de quoi? À cause des réseaux sociaux? Je serai à Paris à cause de quoi? À cause des réseaux sociaux? À cause de la puissance d'Internet? À cause de la monétisation? À cause de mes formations? J'en ai 130. J'ai pas 13, j'ai pas 5. J'ai 130 formations. Et les gens qui prennent en fait leur inscription avec moi auront droit à 50% de réduction sur toutes mes formations pendant 3 mois. Et dans le système donc que j'appelle mes VIP, je peux traiter des deals avec vous. Tu veux me faire venir dans un pays, je te donne un prix spécial, je ne donnerai pas à une autre personne. Tout se passe dans le mastermind. Je fais ça tous les 3 mois. Tous les 3 mois, je fais une petite pause d'un mois. 3 mois, je fais une petite pause d'un mois. 3 mois, pourquoi? Parce que je n'ai plus le temps de faire du coaching one-on-one. Oh, coach Darcy, est-ce que tu peux m'accompagner? Non, je ne peux plus. C'est pas que je suis mauvais. Je n'ai plus le temps. J'aimerais encore accompagner les gens comme j'ai fait en 2016, 2017, 2018. Je ne peux plus. Je n'ai plus le temps. Là où je vous parle, là, j'ai une cliente américaine qui m'attend ce soir. Je ne peux pas. Je suis l'un des rares coachs qui coach les gens dans le monde anglophone et dans le monde francophone. Priez pour votre coach. J'ai trop de clients. C'est un bon problème à avoir, hein. Trop de clients, je freine, je freine. Non, non, là, je ne veux plus prendre de clients. C'est un bon problème à avoir. Ce n'est pas. Non, il faut investir. Donc, quand tu connais le système des cryptos, je vais vous montrer aussi comment investir sur les assurances-vie. Vous ne pouvez pas être dans un pays comme la France, le Canada, les États-Unis, la Belgique, même au pays, attendre que les parents carrément vous enterrer. Pourquoi vous attendez que vos parents aillent vous enterrer? Vous ne pouvez pas prendre une assurance décès. Et même dans une assurance vie, il y a des moyens où tu peux maintenant traiter cette assurance vie. Tu en prends deux. Une assurance décès, assurance vie, que tu utilises en fait comme une banque. Où est mon livre ici? On explique les Rockefeller, une des familles les plus riches dans le monde. Ils utilisaient les assurances pour s'enrichir. Il y a ce qu'on appelle des trust funds. C'est-à-dire que tu peux créer un acompte qui est dans le stock market pour ton enfant. Donc, quand l'enfant naît, si tu mets un montant comme 100 dollars, la façon dont le market va se multiplier, quand l'enfant a 18 ans, l'enfant a 1,6 million de dollars. C'est ce que les riches font. Ce n'est pas les histoires, tu prends ton enfant, tu lui mets une casquette Louis Vuitton, tu mets un petit sac Louis Vuitton, tu travailles pour Louis Vuitton. Louis Vuitton, c'est ton parent. Il faut me répondre. Louis Vuitton, c'est ton parent. Fendi, c'est ton parent. N'investis pas dans ces choses-là tant que toi-même, tu n'as pas acheté des stocks. Est-ce que tu sais que l'année dernière, Louis Vuitton a fait à peu près 50% a payé en fait ses investisseurs 50%. C'est plus comme avant, il n'y a pas de minimum pour commencer à investir. Tu peux investir Louis Vuitton, tu peux commencer avec 200 dollars. Je vais te montrer comment faire. Une fois que tu commences à investir avec Louis Vuitton, tu mets 200 dollars par mois. Louis Vuitton, selon les chiffres de l'année dernière, ça peut changer cette année. Louis Vuitton va te donner en fait 50% de l'argent que tu as investi. Tu te rends compte? Donc, c'est que si tu investis, comme tu achètes des sacs à 5 000, disons tu as beaucoup d'argent, tu mets 5 000 euros par an. Certains sacs Louis Vuitton coûtent 5 000 euros, renseignez-vous. 5 000 euros par mois. Disons tu as l'argent comme ça, 5 000 euros, 5 000 euros, 5 000 euros. OK. À la fin, donc tu as investi 60 000 euros chez Louis Vuitton. Mais à part le sac, est-ce que tu sais que le sac, même une fois que tu as acheté le sac, qui sort de Louis Vuitton? Est-ce que tu, sauf si vraiment une personne, mais tu n'as plus la capacité de revendre ce sac-là à 5 000 euros.
Si tu revends le sac là sur eBay, c'est peut-être 1500 si tu as la chance, peut-être 2000. Bonsoir Ronnie. Peut-être 2000. Peut-être 2000. Donc quand tu es à ce stade-là, que tu veux 2000, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Tu as maintenant ça, maintenant un sac acheté à 5000, tu revends ça à 2000, donc ça veut dire que tu viens de perdre 3000 euros. Le seul moyen de te faire de l'argent avec des produits de luxe, c'est devenir un co-investisseur de produits de luxe. Tu investis sur Louis Vuitton à la bourse. Tu investis avec ma classe, la session dernière, la deuxième session que je fais. J'ai quand même montré à ma classe qui habite surtout en France comment investir sur Carrefour. L'action de Carrefour était à 5 euros. Est-ce que vous avez besoin de prier? Est-ce que vous avez besoin de jeûner pendant 21 jours? Seigneur Jésus-Christ, Carrefour, est-ce que Carrefour c'est une bonne affaire? Est-ce que je dois investir sur Carrefour? Mais Carrefour, je ne suis pas sûr. Hein. 5 euros, ça c'est pas un scam, machin. Et le bon truc dans mon système, je ne touche pas votre argent. Vous payez pour avoir accès à la plateforme où c'est moi qui vous enseigne tous les jeudis. Une heure d'enseignement, une heure où je réponds aux questions. Et ce qui est bon en fait dans ce système-là, quand on a fini de parler de crypto, quand on a fini de parler d'assurance, quand on a fini de parler d'investir en fait dans les actions et tout le reste, je vous donne un bonus avec les dernières stratégies marketing. Un cours rien que pour vous. Vous aussi. Est-ce que vous avez besoin de réfléchir? Il faut vous inscrire sur le lien, c'est tout. C'est que 500 dollars. C'était que. Mais je vous ai pensé à 5000. C'est pour pas que, c'est pour enlever le système. Tu payes 500 dollars, après tu payes 167 dollars par mois. Donc en tout, tu payes 1000 dollars. Pour 3 mois, c'est rien. Ça veut dire quoi? Donc c'est en moyenne quoi? 333 dollars? Je ne vous charge même pas en euros. Mais vous aussi. C'est pas que vous avez beaucoup parlé, de parler pendant 3 heures, gaspiller ma salive pour faire la pub de ça. Vous aussi. Vous avez déjà vu une personne qui fait un live avec des écrans qui bougent comme ça, avec son nom qui s'écrit. Je fais des efforts pour vous. Pour montrer que c'est du sérieux. Je sors avec le dernier cri d'un backdrop digne d'un master coach. Et vous voulez hésiter? C'est-à-dire que vous savez ce qui est bien dans cette affaire-là, c'est que si vous venez dans le système-là, hein, si vous venez dans le système-là, si vous venez, moi, je vais toujours prospérer. Si vous ne venez pas, c'est vous qui ratez l'information. Ce que je donne là, il y en a, si vous ne croyez pas, allez sur Internet, il y a un autre gars, je n'ai pas donné son nom pour faire la publicité, il y a d'autres gars qui enseignent sur les investissements. Allez voir combien ça coûte. Et demandez-moi si vous avez accès à lui parler dans un groupe Telegram, la personne qui va vous enseigner. Dites-moi. C'est que quand le coach fait quelque chose, j'ai déjà fait mes recherches. C'est que c'est à vous de faire les recherches. Moi, j'ai fait les recherches. Trouvez-moi une autre personne qui a l'expérience, qui voyage dans le monde entier comme moi, qui est dans le business depuis longtemps, qui a formé des gens qui ont des résultats explosifs dans le monde francophone, dans le monde anglophone, qui charge mes prix, venez me dire un autre gars qui fait comme moi. Il n'y a pas. Je n'ai pas de compétition. J'ai créé ma propre ligne. Il n'y a pas de comparaison dans ce que je fais et ce que les autres font. Il n'y a rien. Oh! Il n'y a rien. Non. Non. Donc vous êtes là, vous ne comprenez pas comment ça se passe. Quand je vais enseigner, mais moi je suis encore au niveau où je dois payer ma formation d'électronique ici à Montréal et l'argent est un grand problème pour moi. Je ne sais pas si tu me suis depuis longtemps, Nora. C'est ça le système, c'est une question de choix qu'il faut faire. Je te pose une question. Si tout de suite on te dit qu'il y a une Bentley. Je ne sais pas, peut-être déjà pas la Bentley. Une Ferrari qui coûte 500 dollars. Tu vas trouver 500 dollars. C'est-à-dire que c'est dommage que la façon dont vous me voyez là, vous ne pouvez pas me croire, mais je galérais aussi. Donc, ce que moi je faisais mes sacrifices en fait. Si tu ne veux pas rentrer maintenant, il y aura une autre session. J'ai d'autres cours qui peuvent t'aider. Mes cours, tu m'as dit que tu es en train de suivre une formation d'électronique. Ta formation d'électronique, tu devras aller chercher le boulot. Mes formations te montrent comment tu fais de l'argent. Les gens, quand je te montre comment mettre ton argent sur. Si je te montre aujourd'hui comment mettre 100 euros sur Bitcoin toi-même, tu vas voir comment ton argent va monter. Ce n'est pas de la théorie, ce que je dis là. Ce n'est pas bon, bonjour mesdames et messieurs,
Vous êtes venu à la formation. Bon, écoutez, théorie, comment? Je ne sais pas comment ça se passe. Bon, j'ai jamais investi dans le marché, je ne sais pas. Il paraît que vous allez faire de l'argent. C'est pour ça que les gens sont en train d'être de se rebeller, surtout en ce moment aux États-Unis, sur les études. Tu vas faire des études parce que tu veux t'améliorer dans le business que tu as commencé, ou bien si c'est vraiment un boulot que tu as ou tout le reste, ou bien tu vas faire les études parce que tu as de l'argent garanti après les études. Surtout au Canada, aux États-Unis, où tu dois payer des études extrêmement chères. Tu dois prendre carrément des... comment on appelle ça? Tu dois prendre des crédits pour aller faire des études. Non, on te parle de quelque chose de concret. Comment ouvrir ton argent, un compte où l'argent grandit pour tes enfants. Si je te montre le site, tu vas là, tu t'inscris ici, tu appuies ici et tu appuies là. C'est tout. C'est du. Je te montre, je partage mon écran. J'utilise Zoom, je partage mon écran, je te montre comment faire. Ce n'est pas la voix pop. Ce n'est pas, il paraît que l'autre m'avait dit sur YouTube que non, c'est ce que moi-même je fais. Le bon côté, c'est quoi? On se retrouve dans quelques années. On parle d'investissement long terme. Je ne vous parle pas des gens qui vous embrouillent sur Internet. Ils vous montrent un truc avec plein d'argent, des Bentley, il est à la plage, et puis te dire, envoie-moi 2000 euros, je vais te donner 200 000 euros. On ne parle pas des histoires, des faits mal, tout ça. On te parle de comment, justement, comment utiliser ton argent. Moi, je ne touche pas ton argent. Ton argent, c'est juste pour venir voir comment ça se passe. Toi-même, tu prends ton argent. Je ne sais pas où est ton compte. Ce n'est pas moi qui ai les plateformes et tout. Je te montre, voilà les plateformes qu'on utilise en Europe, voilà les plateformes qu'on utilise ici. Et là, vous avez la chance. Parce que vous qui êtes au Canada, on a déjà trouvé avec l'autre session quoi faire, en fait. C'est ça. Oh. C'est que c'est très important. Voilà une autre personne qui dit qu'il a mis son argent en crypto-monnaie. Il voit comment l'argent augmente. C'est-à-dire que ce n'est pas une affaire. Vous savez, on hésite dans les histoires bizarres. Genre, je vais vous raconter une histoire. Il y a une compagnie qu'on appelle Metro PCS ici aux États-Unis. Et mon frère, mon grand frère m'a introduit dans les affaires des stocks. Là. Ça fait longtemps qu'il me parle de ça. Moi, j'ai négligé ça depuis. Ça fait au moins 10 ans qu'il me parle des affaires des stocks. J'ai négligé. Comme je fais déjà mon argent sur Internet, j'ai pas besoin de ça, ça va, ça va. Il me dit, hé, bon gars, il y a la compagnie Metro PCS, à l'époque c'est mon téléphone, ils ont le stock est à 2 dollars. J'ai 2 dollars, Metro PCS. Quelque chose m'a dit, Darcy, à l'époque ma facture c'était à 10 ans, c'était 60 dollars par mois, le téléphone. Quelque chose m'a dit, mon gars, tu as 60 dollars chaque mois, comme la compagnie a 2 dollars, achète 60 dollars de stock devant mes yeux. Écoutez bien, histoire vraie. Je regarde comme ça. Ça monte 4 dollars. Ah. Je regarde 6 dollars. Ah. Ça monte 10 dollars. Ah. 20 dollars. Ah, ils vont les mêmes, ces gars-là. Ça monte quand même. 22 dollars. 25 dollars. Après, j'entendais plus parler. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient et tout. Après 2 ans plus tard. Après, j'entends T-Mobile. Regardez bien ces compagnies allemandes. T-Mobile vient d'acheter Metro PCS pour, je sais pas, une grosse 100 milliards de dollars. Mes amis, c'est comme si je voulais, je ne sais pas comment expliquer, je voulais pleurer, mais je ne peux pas pleurer. Je me giflais, mais je ne veux pas avoir mal. J'avais honte, mais en même temps, j'avais mal, comme si on m'a tapé. Je sais pas comment exprimer ça, quoi. J'ai raté l'argent comme ça devant moi. J'ai dit, ça ne va plus jamais m'arriver, cette affaire-là. N'importe quoi. Et les opportunités comme ça. Mais je parlais comme ça pour rien. 2014 arrive. Je suis déjà sur Facebook. Quand je parle de ça, ça m'énerve même. On dit Facebook going public. Je sais que Facebook, faut pas rire, Romy. Je sais que Facebook, c'est une bonne compagnie. Je sais que non. Devant moi, comme ça, j'ai l'argent. Facebook go public, 30 dollars. Ah, tu des stocks, là, moi, je n'aime pas trop tu des stocks. Faut pas rire, Nora. Si tu des stocks, ah, Facebook, bon, moi, je fais déjà, à l'époque, je fais déjà de l'argent, je fais déjà mes pubs ciblées, je fais déjà mon argent sur Facebook. Je vendais mes formations et tout ça. Je crois que j'avais ma première formation en anglais qui coûtait 1000 dollars. Non, j'étais à l'aise. Je suis dans les 6 chiffres. Hein. Je m'en fous, mes histoires. Jusqu'au jour où je vois que oh, Facebook est monté à un moment jusqu'à 200 dollars. Ah. Quand je regardais Metaverse, Facebook, c'est maintenant à 300 dollars.
Donc, c'est-à-dire que ce que je suis en train de vous dire, je vais vous dire, je vais en fait vous dire la vérité. Ce que moi je fais pour vous là, c'est un cadeau. Mais comme pour que vous preniez ça au sérieux, il faut que je trouve un prix qui n'est pas trop cher, mais qui n'est pas moins cher. Ce que j'enseigne là, moi-même je fais ça. C'est parce que nous sommes des Bantous, donc c'est mieux qu'on ait l'air toujours un peu plus pauvre que l'air d'être riche, pas que la famille t'embête. Sinon, je vais vous montrer. C'est pour ça que je ne viens pas. Parce qu'on est sage. On a quand même un certain âge. J'ai quand même un peu les cheveux blancs. Je ne suis pas bête. Pas vous montrer comme ça combien je fais. Pas besoin de vous montrer ça pour vous impressionner ou quoi que ce soit. Au stade où on est arrivé là, c'est où tu crois, où tu laisses. Où tu crois, où tu... C'est-à-dire que moi, avec ce que je fais avec mon business, je ne vais pas manquer d'argent. C'est impossible. Dieu avec moi. La façon dont je fonctionne, c'est impossible. Maintenant, en tant que fils d'Afrique, je dois trouver un moyen, comme je ne peux pas aller employer les gens au pays pour l'instant, c'est parler en français, faire des cours et partager ma connaissance pour que vous aussi, vous alliez former d'autres personnes et d'autres personnes à former d'autres personnes. C'est la duplication de l'information. C'est comme ça qu'on va aider et que l'Afrique va prospérer. Ça, c'est ma part d'héritage que je donne à l'Afrique. Il y a un échange. Vous payez vos formations. Vous, quand vous êtes cette information-là, cette information-là vous appartient et vous allez maintenant faire vos propres formations. Je ne touche rien dedans. Vous dépensez une seule fois. J'ai mes élèves maintenant qui font leur propre conférence dans le monde entier. Ils ne me donnent pas à chaque fois. Oui, coach, on a fait une conférence. Tiens, 10%, 20%, non. Donc, c'est de l'information. Réfléchissez. Ne soyez pas avec des gens avec des trucs sous le truc comme ça. C'est que même si vous êtes fauché, si vous êtes malin, comme on dit en Côte d'Ivoire, vous venez vraiment l'information. Coach a dit ça. Hein? Coach a dit ça. Oh, OK. Oh, le coach a dit ça. OK. J'ai fait mes 3 mois, j'ai dépensé mes 1000 dollars. OK. Les 3 mois, les autres prochains mois, c'est quoi? Tu peux maintenant enseigner d'autres personnes parce que maintenant tu as pratiqué, tu as maintenant les informations. C'est que réfléchissez un peu. Moi, je ne connais pas les gens que vous connaissez. Moi, je suis au States. C'est vous qui êtes dans la francophonie. Moi, je vais en conférence en anglais, là, je viens de parler avec un business partner. J'ai fait une conférence tous les mois aux États-Unis en 2022. Quand j'ai le temps, je sors un peu les États-Unis, je viens un peu en France, peut-être une fois par an, comme ça, je sais pas. Mais tout mon business, je suis en train de concentrer ça, c'est au States. Le mouton bout, il est attaché. C'est le dollar. Pourquoi? Parce qu'ici, ben, les gens sont prêts à payer 3 000, 5 000, 10 000, 20 000, ils réfléchissent pas. Donc, ce serait bête pour moi d'être bilingue, passer une vingtaine d'années ici, et ne pas taper dans le marché américain, qui est le marché de business le plus élevé, où il y a plus de 5 millions de millionnaires qui vivent aux États-Unis. Pourquoi je vais laisser ça, je vais parler en français? Si c'est ça, je claque, je vais dire même bon au village. C'est à vous de voir, c'est à vous de réfléchir dans quel niveau et comment vous allez faire pour atteindre un certain niveau dans votre vie. L'information ne m'appartient pas à moi. L'information appartient à la personne qui achète. Moi aussi, je suis allé prendre une formation. J'ai vu l'information, j'ai dit, ça c'est bon l'information, ça. Ça c'est bon, ça. Ça c'est bien, ça. Ça c'est vraiment bien, ça. Vraiment, il faut vraiment être dans un système. Hein. Vous comprenez cela? C'est ça. Sinon, ce qu'on fait là ne sert à rien. Si tu ne partages pas, si tu ne dupliques pas, si tu ne transmets pas. L'un des problèmes numéro un qu'on a en Afrique, c'est les grosses têtes qu'on avait n'ont pas transmis. Transmettre ça de façon orale. Donc, quand c'est quelque chose d'oral, les gens n'entendent pas bien. Et donc, dès que c'est la quatrième, cinquième personne, ce n'est même plus l'histoire originale que tu as entendue. Mais quand tu écris, c'est important. C'est pour ça que j'ai une formation où je forme les gens à écrire des livres. J'ai ma fille, elle a 12 ans, elle écrit 4 livres, elle est en train d'écrire son cinquième livre en ce moment. Ma femme a déjà 8 livres. Je pratique ce que je fais. Je crois que j'ai sorti une formation en janvier. Comment former, élever un enfant pour qu'il devienne entrepreneur. C'est ce que je suis en train de faire avec ma fille. Ma fille pense déjà business. Elle a 12 ans. Elle pense business.
En ce moment-là, elle est en train de faire son premier jeu vidéo. Ce n'est pas une affaire. Ah là là. L'année prochaine, en 2022, par la grâce de Dieu, ma fille va commencer à enseigner Activation Tour avec moi. Elle va enseigner, je vais faire maintenant Activation Tour pour les adolescents. Pourquoi qui va enseigner ça? C'est ma fille qui va enseigner les adolescents. Si vous n'avez jamais vu une jeune fille de 13 ans, 14 ans faire des conférences internationales, vous allez voir ça avec ma fille. C'est-à-dire que ce que je vous dis là, ce n'est pas une blague. Ma fille, c'est mon élève numéro 1. Oh, c'est-à-dire que je vis ça. Ce que je vous enseigne, je vis ça. Et ma fille, on parle, bon, écoute, comment tu vas faire le business? Comment tu veux faire, machin? Tu fais ça, machin. En ce moment, elle m'a demandé quelque chose à Noël. Je lui ai dit, tu ne peux pas avoir ce que tu m'as demandé à Noël si tu ne finis pas ton livre. Si elle ne finit pas de livre, elle n'a pas de cadeau de Noël. Ce n'est pas un amusement. Mais bien sûr qu'on est dans les affaires des NFTs. Mais bien sûr. NFT, mais ça, c'est même c'est celle de 7 ans qui va faire le NFT. Et ça, justement, je parle de ça dans le cours. Je te montre comment créer ton propre NFT. C'est qu'on est là en Afrique, on est en train de retarder les trucs. On veut faire ce que tout le monde fait. Je ne sais pas, on aime trop copier le voisin. Ah, le voisin a commencé un business de poulet. Moi aussi, je vais aller dans le poulet. Mon ami, même couper la tête du poulet, là, quand on coupe la tête du poulet, tu ne peux pas supporter, tu tournes la tête. Tu n'es pas prêt pour le business du poulet. Ce n'est pas pour toi, c'est pour d'autres personnes. Tu veux faire, oh non, business d'implantation. Même si tu as les employés, toi-même, tu dois savoir comment les choses se passent. Même tenir un machette, tu tiens un machette à l'envers. Ce n'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Il y a une façon, il y a une raison. C'est-à-dire que des fois, il faut être humble. Il y a une raison pour laquelle ces hommes d'affaires-là, en Occident, font plus d'argent que certaines personnes. Ils ont une façon de voir les choses, une façon de faire. Donc, si on a un moyen de taper sur ce secret-là, mais on ne peut pas ignorer ça. Écoutez, les gens, il faut qu'acheter le ticket Activation Tour. Le lien est dans cette vidéo. Je ne m'amuse pas. Le lien Activation Tour, c'est dans cette vidéo. Le lien pour acheter mon cours qui était à 197 $, qui était passé à 297 $, j'ai rajouté un jour. Donc jusqu'à ce soir à minuit, c'est à 197 $. Prenez vos tickets Activation Tour. Prenez vos inscriptions pour la classe qui commence le 15 novembre. On commence dans 13 jours. Vous attendez quoi? Je vais essayer de faire au moins une session, une ou deux, je crois que je vais faire au moins une. Ouais, au moins deux classes avant de partir à Paris. Quand je serai à Paris, je serai trop busy pour essayer de faire encore une autre session depuis Paris. Quoique peut-être je pourrais le faire. Mais je ne sais pas quel genre de Wi-Fi j'aurai là-bas. Donc quand je suis pas dans mon studio ici, je ne sais pas comment les choses se passent. OK? Donc ne soyez pas bizarre, ne soyez pas dans une affaire, oh non, vous ne savez pas quoi faire, oh non. Vous pensez que non, la vie. Non. Ne soyez pas comme ça. Ne soyez pas comme ça. OK, donc prenez vos places, prenez système pour Activation Tour. Faites ce que vous avez à faire. Faites ce que vous avez à faire. OK? Donc, ce que je vais faire, alors je vais vous montrer en fait avec mon téléphone. Téléphone apparaît. Téléphone, il ne peut pas apparaître. Vous voyez? On vous parle de la technologie. Est-ce que vous avez déjà vu une personne qui fait ça dans un live? Il est live et puis son téléphone se connecte. Vous voyez, je suis dans mon studio là. Vous voyez. Vous voyez. Voilà le studio du coach. Vous voyez là. On ne s'amuse pas. Vous voulez apprendre à faire des choses comme ça? Les gens me prennent au sérieux dès le départ. C'est pas la blague. OK? C'est pas la blague. Nous sommes dans la technologie à fond. On ne s'amuse pas. Je vais vous faire un tutoriel où je passe avec mon téléphone, avec le système. C'est ça le truc. Mais oui, en scène. C'est pas une affaire de bien parler. C'est la vérité. Il n'y a pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Vous pouvez demander. Il y a une de mes élèves, là, Mireille, qui est là. Mireille, je la taquine tout le temps. Mireille m'embêtait tellement.
Elle disait, oh, coach, envoie le lien. J'ai créé un t-shirt. Coach, envoie le lien. On est là. Bonsoir, Liliane. On parle des vrais trucs. C'est les États-Unis. On a souffert ici. On a fait des boulots bizarres. On s'est boulé. La truc commence à disparaître, grâce de Dieu. Je suis boulé avec l'acide sulfurique. En train de travailler un truc. Tu parlais de ça, Activation Tour. Comment faire un système où tu as ton téléphone comme ça et puis le truc? Mais non! Tu montes le système, tu montes. J'ai construit un studio. Je ne fais pas les lives avec mon téléphone. On se taquine, tout ça et tout machin, et tout ça. Mais c'est parce que je veux construire une. Bonsoir, Soma. Je construis en fait une relation solide avec mes clients. Il y a quelques années, ici aux États-Unis, elle m'a fait confiance, elle a acheté certains cours. On n'a pas eu le temps en fait d'exécuter tout ça. Je l'ai envoyé chez un de mes élèves. Je reste en contact avec elle. Bonjour, comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça. Ce n'est pas abandonner vos clients. Parce que vos clients n'achètent pas les cours, vous ne leur parlez plus. Ce n'est pas comme ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un client. Peut-être qu'il est malade. Peut-être qu'il a perdu un parent. Bonjour, ça va? C'est comment là-bas? Nous sommes les Africains. Maman, ça va? Hein? Nous savons que ça, nos mamans, c'est comme vraiment nos mamans et nos parents, c'est dur. Tu demandes des nouvelles. C'est comment on ne te voit plus? C'est quoi? Ça va là-bas? Maintenant, quand cette personne aura maintenant son argent, tu n'as pas besoin de poursuivre la personne va te revoir que non, toi tu es bien avec moi. Je préfère donner l'argent, c'est que on est. Parce que maintenant, vous avez tissé des liens. On appelle ça le marketing spirituel. Et ça doit être authentique, tu dois aimer les gens. C'est un business, tu dois aimer. Si tu n'aimes pas les gens, il faut laisser ça. Reste dans un bureau quelque part, machin. On n'a pas que ça à faire les lives tous les jours. Hein? Là, je dois aller encore prendre du thé. Donc écoutez, il faut rejoindre le système, faites ce que vous avez à faire, vous allez comprendre en fait, ça va vous amener à un autre niveau. OK? Mais ne vous limitez pas. Ne vous limitez pas. Faut pas vous limiter. Parce que, soi-disant, c'est dur. Hein, parce que je ne sais pas comment ça va marcher. Alors, je ne sais pas comment, si je pourrais m'en sortir. Vous allez pouvoir vous en sortir. Mais faites ce que vous avez à faire. Un système comme les NFT. Je vais sortir une de mes chansons que j'ai faites il y a longtemps en NFT. Tu peux mettre une chanson, la chanson devient un NFT. Ton livre devient NFT. Ta formation devient NFT. Un dessin devient NFT. Le NFT, c'est quoi? C'est un contenu que tu crées, qui est digital, qu'on appelle un contrat qu'on fait sur une plateforme qu'on appelle Ethereum. C'est le blockchain. Donc tu sécurises ce contrat-là. Et tu es payé à l'infini sur les personnes qui achètent. Tu es payé à l'infini. Tu reçois toujours quelque chose tant qu'ils le vendent. Pour toi, tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, jusqu'à ce que Jésus revienne. Donc ça aussi, je dois carrément venir vous dire un système. Le thé, ah peut-être, qui le sait, tout est monétisable. Et pour l'instant, j'ai pas assez d'informations pour créer un thé. Vous comprenez ça? C'est à vous de voir. Et Nora, je serai à Montréal. Le 26 mars. OK? Donc le 26 mars, attendez que je mette un peu la pub d'Activation Tour. Je serai. Où est-ce que ça se passe? Je serai à Montréal le 26 mars 2022. Les tickets seront en vente le 30 janvier 2022. OK? Donc ceux qui sont à Montréal, je serai à Montréal avec mon épouse. Je serai à Montréal le 26 mars. Ceux qui parlent anglais, qui sont aux États-Unis quelque part, même si vous êtes à LA, venez à Atlanta le 29 janvier 2022. La conférence se passera en anglais. Et avant la fin de l'année, j'irai faire un tour en Martinique. OK? Donc voilà, c'est important. Faites ce que vous avez à faire. Faites ce que vous avez à faire. C'est très, très, très important. Donc les classes commencent le 15 novembre 2021. Vous pouvez vous inscrire. Mais pas le 15. OK? Donc, j'ai fermé les inscriptions samedi pour être sûr que je vois en fait le nom de tout le monde avec mon assistante qu'elle puisse vous envoyer les emails pour avoir le lien. OK? Donc, ceux qui se sont inscrits l'année dernière, j'ai l'année dernière, oui, il y a quelques mois, il y aura un nouveau lien pour les cours. Donc, si vous étiez un ancien élève, il faut payer. Vous continuez. Pour ceux qui veulent continuer, vous ne payez plus les 500 $, vous payez seulement le monthly avant.
avant le 15 pour être dans le nouveau groupe. OK? Donc, ça commence le 15. Voilà, soit automatisé, soit impeccable. C'est avec plaisir, en fait, que je commence cela avant Activation Tour. Et voilà, c'est quelque chose vraiment à ne pas louper. Il y a une personne qui m'a... Bon, je ne parlais pas de ça. Personne me posait une question en privé. Je ne vais pas rappeler en privé, mais voilà. OK? Donc, faites ce que vous avez à faire. Merci bien. Que Dieu vous bénisse. On reste en contact. Prenez vos tickets pour Activation Tour. À ne pas louper. OK? Il ne faut pas louper du tout. Prenez aussi pour la classe. Voilà. Facebook, c'est une révolution liée à la blockchain, les prix de temps dans le futur. Mais bien sûr que Meta. C'est-à-dire, regarde, Rumi, c'est peut-être que tu suis le système. Meta, dans Meta, en fait, vous pourrez en fait vendre des NFTs. OK, donc c'est un système 3D, sauf que je ne recommande pas Meta aux enfants. Ça sera vraiment un autre niveau de. un autre niveau, en fait, au niveau des systèmes, comment on va détourner les gens et tout le reste. OK? Donc, faites ce que vous avez à faire. N'oubliez pas Activation Tour. OK? N'oubliez pas Activation Tour. Donc, ça se passe. Activation Tour se passe le 27 novembre à Paris, Avenue Manceau. Tout ce que je peux dire. Avenue Manceau, sur les Champs-Élysées. Ceux qui ont un ticket, vous recevrez. L'adresse, finalement, tout a été clarifié. Les gars, vraiment fatigués. Vous qui êtes en France, vous voulez faire de l'argent, créez une société qui loue les salles aux gens qui sont à l'étranger comme nous. C'était vraiment, j'ai dû changer de société, je ne sais pas combien de fois. Pourtant, c'est des gens avec qui je travaillais pendant longtemps. Impossible d'avoir un email, impossible d'avoir une personne au téléphone. C'était vraiment lourd, quoi. Donc, vous qui êtes en Europe, ça, c'est encore notre business, je vous donne. Business à dire. Donc, venez à Activation Tour. OK. Et aussi, bien entendu, le cours qui passe ce soir à 297 dollars. C'est 197 dollars pour l'instant. Prenez le cours. OK. 197 dollars. Prenez le cours maintenant, avant minuit. Tous les liens, tout ce que j'ai présenté derrière moi, sont disponibles. OK. Sont disponibles sous la description de la vidéo sur Facebook et sur YouTube. OK? Donc, il ne faut pas dire, oh, coach, je n'ai pas vu, comment ça se passe, comment ça se passe, coach? Voilà. Est-ce que vous avez des questions, rapidement? Est-ce que vous avez des questions, rapidement? Est-ce que vous avez des questions? Question, question, question. Oui, en France, pour organiser tout, les gens comme nous, prenez notre salle, vous organisez avec eux. Bon, moi, je suis un Parisien, donc c'est différent. Mais les gens qui ne connaissent pas. OK? Questions sur le business, e-commerce, business sur Internet, écrire votre livre, leadership. Comment épouser une personne en dehors de l'église? Hein? C'est bon? Mais oui, Evanescence, voilà. Patricia Tunde, au fait, j'espère que vous viendrez à Activation Tour. Désolé, je sais que j'ai pas le temps de connecter tout le monde. Patricia Tunde, je mets son système là. Son nom ici. Boum. Vraiment, désolé. J'aurais pu contacter. Donc, Patricia Tunde, Evanescence, sont des anciens Activation Tour qui m'ont aidé à faire le premier Activation Tour, qui m'ont justement mis en contact avec certaines personnes. Donc, eux, ils ont déjà un événementiel. Compagnie Evan Essence, ils font même leurs vidéos en sous-titres mandarin. Ils ne blaguent pas, ils font des mariages aux États-Unis, en France, en Afrique, partout, ils sont disponibles. Et c'est la seule compagnie d'événementiel.
quand ils organisent un mariage, ils donnent aussi un conseil aux mariés. Vous avez déjà vu ça où? C'est-à-dire que la personne organise le mariage, la salle et tout le reste, décoration et tout le reste, et en même temps, on vous conseille sur le mariage. Vous avez déjà vu ça où? Donc, c'est Evanescence. Donc, j'espère que tu auras le temps de venir. Je pourrais aussi rencontrer ton époux avec ta sœur, venir à Activation Tour. Voilà. Le mastermind, c'est seulement pour l'investissement. C'est vraiment sur l'investissement. Mais il n'y aura pas de domaine spirituel et tout le reste. Evanescence. Voilà. Donc. OK. Donc voilà. Pareil, à ne pas louper. Activation Tour, Patricia. Toi, tu connais déjà, mais là, Dieu m'a donné des révélations puissantes. Je veux même accélérer même les jours, mais je ne peux pas attendre. Je ne peux pas accélérer. Je ne peux pas me téléporter. S'il y avait le Metaverse de Zuck, je me serais déjà téléporté le 27 novembre. Et puis j'aurais commencé à Activation Tour demain. Voilà. Je me prépare physiquement, spirituellement, émotionnellement. Ça sera du lourd. Je vais faire en fait quelque chose que j'ai jamais fait avant. Et ça, c'est la surprise pour les gens qui viennent à Activation Tour. Domaine de carrière, non. Est-ce qu'on peut ouvrir une chaîne de poissons frits, nos plats africains? Mais bien sûr, quel que soit ton domaine, tu peux ouvrir, non? Tu peux ouvrir, ah oui. Ah oui. Ça fait longtemps que j'ai dit aux gens, finalement, il y a une personne qui a fait, que je vais même acheter ces cours-là. J'aime trop le Lingala. Il y a une personne finalement qui a fait des cours Lingala que moi je vais acheter. Une de mes élèves m'a présenté une personne qui fait des cours Lingala. Donc voilà, faites ce que vous avez à faire. Faites ce que vous avez à faire, c'est extrêmement important. Il faut être constant aussi sur les réseaux sociaux. Vous pouvez faire de l'argent, vous ne pouvez pas être là, vous disparaissez, après vous revenez, vous dites non, il faut être constant. Sinon votre argent aussi va apparaître et disparaître. Il y a une façon de travailler sur les réseaux sociaux de façon intelligente. OK? Ouais, donc le mastermind, non, le mastermind, c'est vraiment. Je parlerai un tout petit peu de marketing à la fin, mais ce sera plus sur les stocks, les investissements, le crypto et tout le reste. Les assurances vie, voilà. Alors, donc, c'est des trucs vraiment à ne pas louper. Je dis franchement, ce n'est pas pour beaucoup parler. Je lui dis, Activation Tour, il n'y a pas de conférence comme ça. Ce n'est pas parce que c'est ma conférence. Je lui dis ça sérieusement. C'est-à-dire que c'est quelque chose, je ne sais pas comment décrire ça. C'est prophétique, c'est business, c'est fraternité, c'est fraternel, c'est. Non, c'est autre chose. C'est Activation Tour. C'est-à-dire que ça active quelque chose en vous. Vous ne serez plus jamais les mêmes. Vous ne serez plus jamais les mêmes. C'est du sérieux. OK? Ok, avant que mon micro me lâche, c'est bon, je vais prendre du thé. Faites ce que vous avez à faire. Prenez vos tickets pour Activation Tour. Les places sont limitées. Je crois qu'il reste quoi? 40 places ou un truc comme ça? Donc, ce sera sold out. C'est même pas que est-ce que ce sera sold out? Ce sera sold out. C'est pas peut-être. Ce sera sold out. Donc, vous faites. Et puis, laissez-moi vous donner un petit secret. Peut-être qu'il y a des gens, parce que la première fois que je suis venu, je ne croyais pas. Peut-être que vous pensez que j'attends des tickets pour voyager. J'ai déjà mon billet. Mon billet d'avion a déjà été acheté depuis le mois d'août. Quand le coach Darcy dit qu'il arrive quelque part, le coach Darcy, par la grâce de Dieu, ne dépend pas de la vente des tickets pour venir faire la conférence. Je crois que les gens, des fois, quand je dis Activation Tour, ils disent, ah, est-ce que le coach va venir? Est-ce qu'il a déjà acheté son ticket? Est-ce qu'il attend? Je n'annule pas, moi je n'annule pas mes conférences. Vraiment, il faudrait que moi qu'il y ait un cas de force majeure. Je n'annule pas. Donc, quand moi je dis je serai à Paris, je serai à Paris. Maintenant, la question c'est est-ce que vous serez aussi à Paris? Ah! C'est ça la question. Est-ce que vous serez à Paris? Moi je serai à Paris, est-ce que vous serez à Paris? C'est la question que je vous pose. Hein? Moi je serai à Paname. Moi je serai à Paname. Sûr! Avenue Manceau, sur les Champs. Je serai à Paname. Voilà. Je serai même pas loin. Je pense que je vais prendre un coin où je serai pas loin. Donc, je vais presque pouvoir même marcher pour arriver à la conférence. Non, 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 non.
Je quand même prends une petite voiture quand même pour venir transporter le matos. Mais quand moi je vais avec mon matos, les caméras et tout le reste, quoi. Caméra, micro. Tous les micros sont déjà là. Hein. J'ai les micros, tout est là, alors. Tout est là. Pas besoin de faire tout ça là. J'ai mon matos, tout est là. Vous avez vu? Tous mes micros sont là déjà. Je suis prêt. Pas besoin encore d'attendre une personne là-bas. Oh, le caméraman est en retard. Le caméraman est en retard. Donc je peux commencer la conférence? Non, 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 non. Je suis indépendant, mes amis. Soyez là à midi, les portes ouvrent à 13h, c'est du sérieux. Voilà. C'est du sérieux. OK? Non, Danida, malheureusement, non, ne pourra pas être là. Les enfants, on n'a pas pu prendre une permission pour les enfants et à cause de tout le truc, on ne peut pas voyager avec les enfants. Mais elle sera avec moi à Atlanta et à Montréal. Et elle ne sera pas là finalement pour ce tour Activation Tour. Je vais en solo, donc je pourrais parler longtemps. OK? Donc, j'ai tellement de choses à partager. Activation Tour est tellement sérieux hein, que les gens d'Activation Tour vont recevoir carrément une formation avant Activation Tour. Voilà à quel point le truc est sérieux en fait. Parce que j'ai partagé tellement de secrets que je suis obligé de vous envoyer quelque chose avant d'arriver à Activation Tour. Parce que je vais enseigner quelque chose qui va vraiment transformer votre vie. Il faudrait que vous ayez un soubassement pour pouvoir recevoir la nourriture que je vais vous donner. Si je viens comme ça et puis je commence à vous dire, vous allez tomber, c'est pas possible. Donc, pour vous préparer, les gens qui sont censés activer ce tour, je crois que c'est le 20, ouais, c'est une semaine avant. Donc, le 20 novembre, vous allez recevoir un cours. Donc, j'ai vos adresses, email et tout le reste, avec un ticket. Vous allez recevoir un cours. Ce sera pas long, ce sera 1 heure. Vous pouvez suivre, prendre des notes et vous amener ça, en fait, à Activation Tour avec vous. Parce que je vais partager certains trucs. Sinon, vous n'êtes pas pouvoir vous en sortir. OK? Donc, c'est un système où vous pouvez stream depuis votre téléphone. Non, ce n'est pas un truc que vous devez décharger, mais il y a tellement d'informations que je vais partager. Il faudra un soubassement. Et bien sûr, il y aura un moment d'échange de questions-réponses. Et pour les VIP, j'ai vraiment un système. Oui, Patricia, on va vraiment parler et tout le reste. Je donnerai plus de détails. Et il faut aussi dire à ta sœur. Ça fait longtemps que je ne vois pas ta sœur. Mais vous êtes où? Vous êtes toujours sur Internet. Je ne vous vois plus ou bien vous êtes tellement balèze. Vous êtes comme le chef en taux. C'est maintenant une affaire de TF1, Canal+. Hein? OK. Donc, c'est bon. J'avais une grosse surprise aussi. Bon, là, je ne vais pas trop parler trop de surprises. Bref, je ne parle plus. Venez seulement activer Chantour. Venez seulement, en plus, c'est tout. Instagram plus? Oui, je crois que je t'avais vu sur Instagram une fois. OK. OK, donc, je vous bénisse. Je ne sais pas quel est ce bruit, le bruit de la machine à laver. Je ne sais pas ce qui se passe. Mon Dieu. Donc, que Dieu vous bénisse. Il faut que je fonce. J'ai plus trop fait un truc de plus d'une heure. Ouais, hein, j'ai fait ce backdrop juste pour vous. Mais je suis vraiment excité. Hein. Activation Tour, franchement. Ouh là là. Aïe, mes amis, ne ratez pas. À ne pas rater. Et bien entendu, il faudra votre passe sanitaire pour entrer dans la salle. Pas le vaccin, mais juste montrer la preuve que vous êtes négatif. Il faut que je fasse une vidéo sur le passe sanitaire que je vais ajouter sur le site de Activation Tour. OK, donc faut avoir le pass sanitaire. Donc voilà. OK. Allez, ciao, ciao, on fait comme ça. De toute façon, vous voyez dans le générique là. Dans le générique, à un moment, si vous voyez sur la gauche, vous allez voir Patricia. Sur le générique que je vais mettre là. Elle est à côté de Bettina. OK? Vous allez la voir. Allez, on fait comme ça. Ciao, ciao.